Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous savez déjà le thème de la vidéo puisque vous l'avez vu dans le titre. Et oui, je suis généreuse en ce moment. Encore un concours. Voilà. Toujours avec une boutique partenaire. J'avais encore envie de vous faire un concours. Qui c'est la plus gentille? C'est Didith. Donc, je voulais encore vous faire un concours ce mois-ci. Bon, en novembre, normalement, il n'y en aura pas. Hein. Alors, profitez cette fois-ci de ce concours. Je ne pense pas qu'en novembre, il y en aura. Mais, on ne sait jamais, hein. Mais bon. Donc, ici, le concours est en partenariat avec la boutique Victoria Moon. Voilà. Donc, vous connaissez tous, ou presque tous. Voilà, j'ai déjà présenté cette boutique plusieurs fois sur ma chaîne. Et je leur avais envoyé un petit email pour leur demander si ça les intéressait de participer, de faire un concours sur ma... Enfin, de participer au concours que je voulais faire sur ma chaîne ce mois-ci. Ils n'ont pas dit non. Et donc, ils ont accepté très gentiment. Donc, je profite déjà pour les remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ils m'ont laissé bien sûr choisir les kits que je souhaitais. Oui, je dis bien les kits. Oui, je fais durer le suspense comme d'habitude. Donc, bon, vous savez, commencez à connaître mon goût pour les kits sur les calmes. 1, 2, 3, allez hop, on redémarre. Mon goût sur les kits que je présente souvent sur les concours. Donc, vous savez à peu près ce que j'aime vous présenter. Et donc, cette fois-ci, au concours, il y aura deux gagnants. Deux gagnants, hein, homme ou femme. Voilà, je ne fais pas de discrimination sur ma chaîne. bon, je vais déjà vous dire, ce sont des grands kits. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voulez voir? Allez, donc... Là, comme la taille des kits est pareille pour les deux, donc il n'y a pas de différence. Le 1 aura ça, le 2 aura ça. Enfin, si, quand même, mais je veux dire... il n'y a pas de lot plus petit pour le premier ou pour le deuxième. Voilà, c'est ça que je voulais plutôt dire. Bon, je vais y arriver. Hop, je prends mon stylo. Alors, donc déjà, voilà la largeur. Vous verrez la longueur après. Alors, Victoria Moon a mis sa petite contribution en plus avec. Donc, chaque kit, ils ont rajouté un stylet. Avec les petites paillettes à l'intérieur, hein, pour rappeler. Donc, c'est les stylets. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais je pense que vous commencez à les connaître aussi, ces stylets. Donc, avec d'un côté la pointe, voyez, comme ça, en métal, très fine. Et de l'autre côté, on le voit un peu moins, non, là on le voit, la pointe caoutchouc. Voilà. Donc, dans chaque kit, il y a ce stylet.
Alors, ici, c'est lequel? Faut que je regarde, moi, quand même. Avant de vous montrer. J'aime bien le suspense. Alors, ça, c'est le... Tac, 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 tac. C'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Voilà. Donc, on va dire que celui-ci, c'est le lot numéro... Alors, celui-là, c'est quel? Donc, c'est le lot numéro 1. Voilà. Donc, l'autre, ce sera le lot numéro 2. Je marque tout de suite, comme ça, je ne me trompe pas. Alors, il y a dans ce premier lot, enfin, ce premier lot, oui, ce premier kit, on a 36 couleurs. Voilà. Donc, ce qui est déjà pas mal, hein. Ce sont des perles carrées. Voilà. La personne qui va l'avoir va être heureuse. Il y a un gros paquet de noir. Un gros paquet de 410. de 410, c'est bien ce que je dis. Ouais, c'est bien ce que je dis. Hein. 310, non, c'est 310 le noir. N'importe quoi, c'est 310. Alors, d'abord, voilà, le paquet de perles, tout est mis dans des sachets zippés. Avec, on a le petit kit, je sais, je fais du bruit, tant pis. Alors, on a la pince qui va bien. Celle-là de pince, je l'aime beaucoup. La pince noire en métal. Celle-là, elle va nickel. On a le... Je vais l'ouvrir, peut-être. Là. Voilà, on a la petite pince noire en métal, vous voyez, comme ça, qui va très bien. Celle-là, j'adore. On a le petit stylet tout simple, hein, mais avec la petite mousse bleue, donc avec une perle d'un côté et le bouchon de l'autre pour faire 10 perles. Voilà. Et ensuite, le petit plateau. Alors là, c'est le petit plateau avec le bec verseur, la petite glu. Et en dessous, vous avez un petit... Alors souvent, les personnes se demandent à quoi ça sert. Bon, j'étais aussi au début à me demander à quoi ça servait. Hein. Voilà, vous avez un petit carré d'adhésif comme ça, blanc. Alors, c'est pour vous mettre sur vos boîtes. Voilà. Vous mettez les numéros, vous découpez et vous mettez sur vos boîtes. Voilà, c'est un petit adhésif tout simple. Donc, voilà. Donc, le petit kit. Donc, avec, j'ai dit, il y a le stylet comme ça. Bon, je vais peut-être pas vous montrer toutes les perles. Je vais vous en montrer certaines. Donc voilà. Les perles se présentent comme ceci, en sachet, comme cela, zippé. Donc vous avez la référence, le numéro d'abord, et ensuite la référence DMC et le grammage. C'est pas le nombre de perles, hein. Il n'y a pas le nombre de perles dessus. Mais c'est le grammage. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des gros paquets quand même. Je vous en montre encore un. Vous voyez, celui-là, il est bien, bien rempli, hein, bien gros. Et le noir. Comme il est là, voilà. Un beau paquet de noir. Voilà, après, vous avez des roses. Voilà, des...
Vous avez des roses, des petits, des verts jaunes. Il y a des marrons, il y a des roses, il y a des bordeaux. Et vraiment toutes sortes de couleurs. Je peux essayer de vous les montrer tous, hein, mais... Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près toutes les couleurs. De l'autre côté, pareil. Donc, les perles ont l'air nickel, hein. Elles n'ont pas l'air d'être d'être abîmées. Il n'y a pas l'air d'y avoir de poussière. On va prendre un petit paquet pour voir. Moi, je vois pas de poussière. Elles ont l'air d'être bien taillées. Et sur un petit paquet, on voit. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Donc, bon, bah, vous en avez vu assez. Alors, ça, c'est le premier. Hop. Hop. Voilà. Alors, avec... Vous avez, je vais dire, une demi-feuille de route. Voilà. Bon, moi, vous savez que les feuilles de route, je m'en fiche complètement. Mais là, vous avez juste les symboles. Les symboles et les références. Voilà, les références DMC et les numéros. Voilà. Donc ça, c'est... pour ça, je dis une demi-feuille de route. Voilà. Mais bon. Ensuite, la toile. Est-elle belle, la toile? Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, il n'y a aucune rivière sur la toile. Elle est nickel chrome. Hop. Je regarde là. Ah, il y a un tout petit pli. Ah, tout petit, tout petit. Bon. Il y a un tout petit pli, mais vraiment minime. Ça arrive. Hein. Quand c'est qu'un tout petit comme ça. Du coup, je vais ouvrir. Ouais, c'est dans le pliage. Ouais, c'est rien. Non, c'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave du tout, du tout, du tout. Non. Il n'y a rien de grave. C'est un petit, tout petit pli qui s'est fait. Alors, je vais vous le montrer quand même. Vous voyez, on ne le voit même presque pas. Vous voyez, j'arrive même pas à vous le montrer tellement qu'on ne le voit pas. Donc, voilà. On ne le voit presque pas. C'est le seul tout petit défaut qu'il y aurait sur la toile. Mais alors, vraiment minime. Hein, ça va pas chahuter votre toile. Donc même en donnant un petit coup de fer derrière, je pense que ça ira beaucoup. Ça ira bien. Voilà, je vais bien remettre. Alors sinon, niveau impression, oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Voilà. Niveau impression, c'est nickel. Niveau colle, ça colle, comme je dis si bien d'habitude. Voilà. Et maintenant, alors, je ne vais pas bien vous la montrer. Là, je vais vous mettre une image juste après. Alors, voilà le dessin. Alors, ça va flouter, bien sûr. Ça floute, ça floute. Oui, ça floute. Alors, partez pas, je vous mets une image tout de suite.
Voilà. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de cette jolie dame? Alors, comme j'ai dit, il y a vraiment pas du tout vous inquiéter de ce tout petit pli. C'est vraiment mini, 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 mini. Vous avez bien vu, mais à l'écran, j'ai eu du mal à vous le montrer. Voilà. De toute façon, je vais bien ranger après. Donc, moi, je les ai reçus dans des boîtes cartonnées. Donc, je vous les renverrai dans les boîtes cartonnées. Donc, ça, c'était le premier. Donc, je vais le mettre derrière. Je rangerai mieux après que j'aurai fini la vidéo. Voilà. Je mets tout derrière pour ne pas me mélanger les pinceaux. Voilà. Donc, ça, c'était le lot numéro 1. Le lot numéro 2. Voilà, toujours dans le petit carton. Hop. Alors. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, Victoria Moon vous a rajouté le petit stylet avec le tube en paillettes au milieu, voilà. Donc, vous y avez droit aussi pour le lot numéro 2. Ah, j'ai oublié de vous dire la taille. C'est ça. J'ai oublié de vous donner les tailles. Donc, ce sont deux kits qui font 50 sur 70 cm. Voilà. Excusez-moi, j'avais oublié de vous donner la taille des kits. C'était quand même très important de vous le dire. Voilà. Donc, ce sont des, les deux kits font la taille 50 sur 70. Voilà. Désolée. Ici, ce sont aussi des diamants carrés. Voilà. Donc, ceux qui ne font que des diamants ronds, comme je dis des fois, ben, c'est peut-être l'occasion de participer au concours pour vous essayer du carré. Pourquoi pas? Donc, ici, on a le même kit. Je vous le montre. Je ne vais pas le déballer puisque c'est exactement le même. La pince noire, le petit plateau réservoir, la petite glu, le petit carré de papier adhésif et le petit stylet avec une perle et 10 perles et la petite mousse pour les doigts. Voilà, donc ça c'est la même chose que le premier kit. Au niveau des perles, il y a de quoi faire. Voilà, hein. Voyez. Donc il y a des bons paquets. Alors celui-là, est-ce qu'il y a du... Oui, il y a du 310 aussi. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup parce que je ne le vois pas. Là, voilà. Alors, je vous montre que c'est du carré. Hein. Arrête de flouter. Voilà. Donc, c'est des perles carrées. Donc, les deux kits ont de superbes couleurs. Hein. Et il a, celui-là, il a combien de couleurs? 36. 36 couleurs. Alors, je voulais voir le sachet noir. Où il est? C'est pas celui-là. Je vous entends dire. Oh, elle arrête de faire du bruit. Ah ben si, il y a quand même un gros paquet de noir. Voilà. Donc, vous avez un gros paquet. C'est pas le blanc blanc, hein. C'est vrai, le blanc un peu écru. C'est pas le 5200 celui-là. C'est le 3865. Donc, il n'est pas tout à fait blanc. Donc, vous voyez, le noir est un peu plus rempli. 5200, il n'y en a pas. Non. Après, vous avez des beaux roses aussi. Là, voilà. Oui. Il y en a plusieurs. Voilà. Je vais mettre comme ça pour essayer de vous montrer au mieux.
Donc, toujours dans des sachets zippés. Hop. Voilà. Et il y a d'autres roses, il y a du marron, il y a plusieurs sortes de verts, il y a du bleu, il y a du plusieurs sortes de gris aussi. Là, il y a un marron violet, un peu, vous voyez, comme ça. Bon, il y a vraiment de très jolies couleurs aussi dans celui-là. Vraiment très beau. Et ils sont vraiment magnifiques. De toute façon, c'est moi qui les ai choisis, donc c'est normal qu'ils soient magnifiques. La fille qui lance des fleurs. Waouh! Bon, je peux hein, lancer des fleurs pour moi. Je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà. Hop. Et hop. Donc, au moins, bon, en sachet zippé comme ça, ben, une fois que vous avez fini votre kit, ben, vous avez déjà vos sachets. Et en plus, vous avez déjà les références dessus. Donc, vous n'avez plus qu'à remettre dedans. Vous êtes tranquille. Donc, alors, celui-là. Vous avez aussi donc la mini feuille de route hein, avec les références et les symboles. Voilà. Et donc c'est un 50-70. Donc il est nickel. Donc celui-là, il n'y a même pas de petits plis comme l'autre. L'autre, il y avait. Surtout, la personne qui va le gagner ne m'en voulait pas. Ce n'est vrai. C'est une. C'est même pas une rivière, c'est un petit filet. Voilà, c'est un petit ruisseau. C'est presque rien. Voilà. Donc, je vais pas demander qu'il me renvoie un autre parce que là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas du tout déformer le kit. Tellement c'est insignifiant. Donc, de toute façon, depuis que j'en fais, si je vous le dis, c'est que c'est bon. Hein. Donc, vous pouvez me faire confiance. Donc là, à part les traits qu'on voit parce que c'est enroulé. Donc, c'est pareil, un petit coup de fer si vous le souhaitez. Mais là, on n'est pas obligé. Hein. On décolle les quatre coins et puis en avant Guingamp. Alors. Je vais vous montrer l'impression avant de vous montrer le dessin que je cache. Voilà l'impression. Voilà, vous voyez, nickel, ça colle, la colle colle. Et alors, hop, et maintenant je vous montre le dessin. J'ai pas envie de vous le montrer. Et si c'était une surprise? Tiens, un jour, je vais faire ça. Un jour, je vous jure que je vais vous faire un concours. Je vais vous montrer le matériel, les toiles, tout. Mais vous ne saurez pas à l'avance ce que vous allez recevoir. Oh oui, un jour, je vais vous faire ça. C'est une bonne idée, tiens. Mais bon, de toute façon, vous savez que les kits sont toujours très jolis. Ah oui, un jour, je vais vous faire ça. Oh, je vais faire. Oh oui, faut que je réfléchisse à ça. Je vais faire vraiment le concours, mais alors surprise jusqu'au bout. Mais bon, je referai une vidéo après pour montrer ce que la personne a gagné. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui. Oh, j'ai trouvé une idée. Je vais faire un concours où vous ne saurez pas ce que vous allez gagner. Ouais, bonne idée ça. Tiens. Dites-moi en commentaire en même temps si ça vous intéresse, si on fait ça. Alors, voilà le dessin. Il est super beau, magnifique, j'adore. Mais je vous le remets en grand tout de suite pour mieux voir avec les couleurs. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît.
je vais bien le recoller. J'espère que ce modèle vous plaît aussi. Voilà, donc c'est un 50-70. Oh, mais ma petite idée là que j'ai donnée juste avant, ça va faire son chemin dans ma petite tête de moineau. Ah oui, un concours où vous ne saurez pas ce que vous allez gagner. Ah, c'est une bonne idée ça. Ah oui. Je suis un génie des fois. Oh, trop cool. C'est trop cool. Oui. Voilà, donc ça, je remballerai après. Alors, pour participer au concours, maintenant, comme d'habitude, alors là, vous avez 15 jours. On est combien ? J'ai pas pris mon calendrier comme d'habitude. On est le 8. Alors, 9. Non, on n'est pas le 8, on est le 9. 9. Alors, 10, 11, 12. Bah, 10 et 15, 25. Oui, 10 et 15, 25. Donc, le concours a lieu jusqu'au 25, si je ne me trompe pas. De toute façon, je remets la date ici. Jusqu'au 25 octobre inclus à minuit. Pour participer, c'est comme d'habitude, c'est facile. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste à laisser un commentaire sous la vidéo en marquant « Je participe ». Au moins, vous marquez déjà ça minimum. Après, le petit bonjour, le petit bisou. Voilà. Ben oui, il faut bien rester poli, hein. Et en même temps, dites-moi si ma petite idée là que je viens de vous dire, donc de faire un concours surprise, donc c'est-à-dire que j'offrirai un ou deux, bon je verrai, bon il y aura un concours avec un ou deux kits, donc je verrai comment je vais goupiller ça, il faut que je... ça fasse le tour de ma petite tête, que je fasse le concours, mais bon, je vous montrerai le matériel, mais vous ne saurez pas le dessin. Voilà, vous ne saurez pas ce que vous avez gagné avant de le recevoir chez vous. Voilà. Et moi, il faudra que la personne qui ait gagné me prévienne qu'elle a... Bon, de toute façon, je le verrai, hein, puisque j'ai les avis de réception. Et donc, une fois que la personne aura reçu son colis chez elle, moi, je mettrai bien sûr une vidéo en ligne pour montrer le kit que la personne a gagné. Voilà. Parce que bon, je ne vais pas laisser tout le monde en plan et puis ne pas savoir ce que j'ai envoyé. Donc, dites-moi en même temps dans votre commentaire, en plus de « Je participe », si ça vous intéresse que je fasse un concours comme ça. Un concours à l'aveugle, voilà, surprise à l'aveugle, que vous ne saurez pas quel genre de kit, mais vous savez que vous n'allez pas avoir peur, hein, vous n'allez pas gagner un kit en forme de squelette ou en forme de truc complètement bizarre, hein. Avec moi, de toute façon, vous savez très bien, vous connaissez mon style, donc j'aimerais bien savoir, alors dites-le moi. Et je mettrai peut-être un sondage, je crois qu'on peut encore mettre des sondages dans la communauté, je ne sais pas, je vais regarder. Je vais mettre la question également dans la communauté de YouTube, hein, sur ma chaîne, voilà. Et puis, comme ça, vous pourrez aller y répondre. Et comme ça, je vais voir. Oh, je suis trop contente d'avoir eu cette idée. Ouais, ça me plaît. Bon, alors, revenons à nos moutons. Donc, pour participer, vous avez, à partir de maintenant, voilà, jusqu'au 25 minuit, et comme d'habitude, je ferai le tirage au sort le lendemain, donc ce sera le 26, donc si je ne me suis pas plantée dans les dates, mais je vous remets tout sur l'écran, là, et en barre d'infos.
Et puis bon, pour le tirage au sort, le jour du tirage au sort, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Voilà, on ne va pas tous mélanger, hein. Voilà. Alors, j'espère que ce nouveau concours vous aura plu. Voilà, là, je ne sais pas quand est-ce que j'en referai un pour l'instant, hein, on verra. Hein, on va déjà laisser passer celui-là. Moi, ça me plaît énormément de vous en faire. Donc, c'est pour ça que j'essaye de toujours chercher pour vous en faire régulièrement. Là, je cherche d'ailleurs pour Noël, déjà. On verra. Et là, ben, maintenant, je vous laisse participer à celui-ci. Je vous fais des énormes bisous. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end parce que là, ben, on est samedi. Donc, samedi, dimanche et week-end. Donc, j'espère qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous, que la pluie est ça. Chez nous, ça va, elle s'est arrêtée. Donc, j'espère qu'il fait à peu près bon chez vous aussi. Et je vous souhaite de bien profiter de ce week-end. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Soyez nombreux à participer et n'hésitez pas à partager ce concours. Bisous, bisous.